Et voilà, on a Actor avec son Inkling. Deuxième Inkling qu'on voit la journée. Première fois qu'on voit Actor on stream. Oui. Ok. Byron qui est là pour la troisième fois. Ben, il est un joueur très populaire qui va assez loin même avec sa pitch. Ouais, vraiment sa pitch surprise du jour. Hein. Oui. Ben, là, pour moi, la plus grande surprise, c'est de voir Actor jouer Inkling, qui n'a pas l'habitude de jouer Dr. Mario. C'est pas vrai. Ah, c'est vraiment pas vrai. Il joue Dr. Armo rarement. Il joue souvent Dr. Mario quand il sait qu'il a perdu, en fait, j'ai l'impression. Moi, à l'habitude, je le vois jouer. La dernière fois que j'ai joué, c'était plus dans le Mario. Non, non, il le sort. Il sort son Inkling tout le temps. D'accord. C'est vrai qu'à la montée, il a beaucoup de montées. On va voir si il va faire le même résultat que Hugo avec son Inkling. D'ailleurs, les deux joueurs qui sont assez différents, j'ai l'impression. Sans l'être, c'est assez bizarre. J'en ai parlé avec quelqu'un avant. Vas-y, parle. En fait, le Inkling de Hugo est très carré, il va tout le temps faire la même chose dans Saturne. Deuxième Saturne, d'accord. C'est quoi ça, Luck? On a Hugo qui va approcher avec des backers et des rollers actuellement en neutral, et puis après te mettre la sauce avec des combos et des. Ouais, Saturne tend. Mais tandis que Actor va approcher de manière différente à chaque fois. Il va te prendre off guard, ouais. Il va dire oh, est-ce qu'il va faire un donner, backer, faire. Bon, tu sais pas, donc faut que tu guesses un peu. Wow. Ouh là là. Le don't match est tout bon, qui tue. Et Byron qui m'en a parlé avant, mais ça luck avec sa pitch. Aujourd'hui c'est n'importe quoi. Ben, ce matin, on stream, première chose qui pull, c'est un Master Saturne. Ce matin? Oui, enfin je veux dire, la première match on stream, c'était un Saturn, la première chose. Don't. Yep. Au premier match, Saturn. Il a sorti un Saturn. À un moment, m'a dit qu'en Edgeguard, il a sorti un Dotai. Et oui. C'est celui. Smelly Face. Ouais, voilà. Ouais, bah, c'était Ouya. Contre Rohan. Non, contre Waffle. Il l'a tué avec ça, bien le stock. Ouais, qu'il était obligé. Bah, sans ça, ça aurait pas tué. Ouais, ouais. Après, t'as le Stitch Face. Tu peux tuer. Tu peux faire. Tu as 50. Il y avait Vince dans le chat MDR. Moi, si je vois une bombe sortir on stream, je pète un câble. C'est. Ouais. Il aura trop de luck. Après, moi, quand j'ai joué contre des pitchs, j'ai pas eu de personne, j'ai jamais eu quelqu'un qui a sorti un Saturn, mais souvent des Tish Face et les pop, l'autre avant, le Smiley Face. Mais jamais de bombe Saturn ou. Jab 3, pas de multi-jab. On a le Gentleman aussi comme Falcon, pas de. Exactement. Quelque chose que il est très 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 rarement utilisé parce qu'il y a souvent plus de rewards à faire multi-jab. Mais ce moment où on pourrait utiliser, c'est quand on a plus d'anc. Ouais. Parce que. Là ça devient intérêt. Ouais. Bah t'es obligé de faire ça en fait. Parce que sinon tu tires dans le vide. Tu tires dans le vide et le end lag du jab est énorme. Donc ouais. S'il n'y a rien, t'as le temps de venir sur lui, charger un smash et il meurt. C'est Backer qui prend. Mais. Là, on a. C'est assez. Oh, le roller? Ouh là là. Ah, multi-jab, justement. On en parlait. À 70 à 70. Mais on a une stock d'avant. Ouh! Très joli mix-up. Je sais pas ce qu'il a essayé. Mais ça a l'air stylé. Le Bouya qui n'a pas été tenté. Ouh, le père! Très close. Alors Bouya qui est plus trop possible, je pense. Oui, non, là ce n'est plus possible, plutôt avec la rage. Ouais, il y a la rage. Il y a au moins 10% de trop. Bon, 30. Non, 10, je pense, elle est assez flottie. Ouais. Ouais, Byron. Il est struggle à tuer. Let's go.
Ok. Donc là, il n'y a aucune qui trouve la Dawn Pro qui tue à 200 au ledge. La Max Pro qui tue, hein. La Max Pro qui tue, mais la Dawn Pro qui va plutôt tuer. Le match est long. c'est Inkling. Ça prend du coup. Ouais, ouh, X Smash. On a Axor qui prend la première game avec son Inkling, son Schoolgirl Inkling. Est-ce que monsieur Axor arrivera en Grand Final contre Hugo? Je sais qu'il n'aime pas faire des Ditto Inkling avec Hugo, donc il sortira son Dr. Mario, mais... Dr. Mario, quel perso incroyable. Oui. Quel perso qui peut tuer très tôt, c'est incroyable. On a... Donc on repart sur PS2, c'est ça? Ouais. Peach et Inkling. Bon, sur Kalos. Kalos, ok. Elle n'a pas été ban, c'est... assez étonnant. Oui. Que, comme on sait, Inkling peut avoir du mal à tuer. Et c'est un plus 8 pour le Bouillard. Oh, attention! Ou les derniers combos. Ou le catch. Ouais, Actor qui veut cette stock, hein, vraiment. Wow, t'en as un? Ah, les Bouillards, non. Non. On n'a pas le Bouillard. L'exécution est moins, moins bonne que chez... Il charge le... l'encre devant lui. Il peut le profile. Slap slap. Oula. Oh, le snipe. Quoi? La bombe qui envoie jamais du bon côté. Ok. Ça, c'est quelque chose que Hugo a travaillé. Il oh, dans ça. Ouh, le dump bash. C'était un smiley face ou pas? J'ai pas regardé. Ah! Il est mort, ok. Match assez un peu plus rapide qu'avant. Peur qui prend plus ouais, qui de beaucoup plus agressif. Ouais, qui est plus agressif et qui prend plus de pourcent sur ses phases d'avantage. Peut-être qu'il a compris que Byron avait peut-être un peu de mal en désavantage. Ce qui est compréhensible. Hein, c'est Peach a un très bon neutral air et des options défensives. Oui, il faut pas oublier que c'est pas son main, non. Oui, oui. Surtout. Il y a un smash qui a été... On a Actor qui n'a presque plus d'encre, donc... Ouais, vraiment un tout petit peu. Ouais. Il recharge un peu, histoire de faire une splat bombe. Ouais, comme on l'a dit. What? Oh, ok. Oh, là, le plan. Je sens qu'il va y avoir une bombe, c'est sûr. Là, le jeu est très ralenti. Ouais, ouais. On voit que Byron est en dehors et du 1%. Ouh, le père qui catch le jump. On a des persos qui s'attendent. Les aérios de Peach qui ont quasiment aucun lag. Hein. Oui. Seulement si on les. Ouh, le père. Le père. Il a rien fait, il s'est fait prendre par le père. Mais on a. Les persos qui... Oh là, c'est parti, ça campe. On a... Il n'y a aucune raison d'approcher, il reste 4 minutes. On va faire de son mieux pour gratter le plus de pourcents. Le downer qui catch, hein. Il catch le 2 frame. Mais là, on a Axor qui n'a aucune raison d'approcher. Mais qui va mettre des petites passes. Qui tente une petite passe avec des neutralers. Qui arrive bien, hein. Ouais, Axor qui tente beaucoup plus de custom combo que Hugo. Parce qu'il connaît il connaît un peu mieux le perso, mais il a surtout mais des meilleures idées, j'ai l'impression. Il remarque qu'il marche et qu'il marche pas, donc il peut en abuser. Le backer qui va prendre la stock. Donc là on a un jeu assez intéressant.
Hector qui a le turnip, qui touche le ledge. Là on a un grab qui a été puni par le get up attack. Donc quelque... là je pense que c'est oui à pourcent, c'est possible. Mais on a Hector qui tente pas beaucoup les bouillas, mais qui va plutôt capitaliser sur les up smash morts. Et voilà 2-0 pour la pour Hector. Est-ce que Byron veut aura download Linkling de Hector et ou est-ce qu'il va juste switch? Il va juste. Non, je pense pas qu'il va switch. Quelqu'un qui déquille. Ah ça m'étonnerait pas hein, qu'il switch sur son Fox. Non. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ok, Smash D. Il part sur Smash. Ça sent. Je le sens arriver. Ah non. Ok. Commit sur Peach. Oui. Byron est quelqu'un qui commit beaucoup sur ses persos, il ne va pas switch. Comme il l'a dit lui-même, si tu décides de switch sur un perso que tu n'as pas joué, il va sûrement être moins bon. Par exemple, il n'a pas encore joué Fox de la journée. Ah oui, bah oui, ok. Il sera un peu froid, je pense. Donc. On a un peu moins de luck de la part de Byron là. Il prend un peu moins de Saturne comme ça. Mais d'un autre côté, on a Hector qui est très agressif encore. Mais sur cette game, c'est lui qui est en train d'être cassé un peu. Ou là, un bon fer pour cacher notre get up. Tiens, peut-être. Ou là, la snipe. MDR. Ce meuf qui troll un peu. Hein. C'est écrit là. Hein. Oui, en effet, on a Byron qui joue Peach depuis le début de ce tournoi. Il a eu quelques... Il s'en sort bien. Hein. Là, s'il se fait éliminer là, c'est top 5 ou top 4? C'est top 4, je crois. Oui, c'est non, top 4. Non, c'est top 7. Non. Top 4, oui, je crois que t'as raison. Parce que celui qui gagne ici. Il va en loser final. Va en loser final. Contre Envy. Non, Enki. C'est Enki qui va en loser. Qui est en loser final. Et. Oula, joli backer qui va prendre. C'était un backer, oui. Oh le fer qui a pas touché. Là on a juste des gens qui trade, des hits. C'est pas vraiment sauce qui sort. Donc on espère avoir un peu plus de. Le roller et le smash. Roller, smash. Le dos smash qui tue. Le grab, enfin il a pas grab le ledge. Pas grand chose qui se passe. Ouais, pas grand chose, hein, c'est très calme. Une petite simple, c'est une musique très sympa là. Vraiment, bah. Pas grand chose qui se passe, hein. C'est. Peach, ça fait peur d'un. D'approcher. Oui, ça fait pas rapprocher. Sauf que, comme on l'a dit, Byron n'a pas ses avantages state avec Peach, comme il a avec Fox. Fox, il arrive très très bien à catch les options et. Ouais. Mais là, c'est vraiment. Il a qu'un peu les combos. Ouais, la couverture du Fox de Byron est assez terrifiante. Hein. Justement, il avait ce genre de. Ou les smash. Il a l'air de fatigueur. Hein. Ouais. Que tout le monde est en train de fatiguer là. J'ai l'impression que les stages d'Animal Crossing ça fatigue les gens. Ils sont grands, c'est pour ça. Ouais, même tu sais, la musique, genre. Ouais. Voilà, aucun d'eux a des écouteurs, ils n'ont pas d'entendre tout. Ouais, mais je dis pour nous là, ouais, on a presque envie de taper une sieste là. Non, encore si c'était minuit, il y aurait Keke qui serait en train de jouer. Ouais, c'est vrai. C'est à partir de 21h, non?
Non, 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 c'est minuit. Bref, là, il reste 3 minutes. Ok, le nerf. Le nerf, il va prendre la stop. 3 minutes sur le timer. Qui est très longue. Waouh, ok, c'était bizarre. C'était hyper bizarre. Juste pas assez haut, pas assez pour cent. Le nerf. Ouh, le père. C'est fini. La stop. Et Lausanne Sport, Axor qui prend 3-0. Sur la pitch de Byron.